Ces immeubles situés avenue Van Overbeek font partie des 2500 logements sociaux gérés par Logega sur Gansouren mais aussi sur Jette. Et depuis un mois, comme Giovanni Viola, plus d'une centaine de locataires testent l'application Happinest, imaginée par la Société du logement de la région. D'un simple clic, Giovanni peut désormais consulter ses données personnelles, les modifier ou signaler un problème technique 24 heures sur 24. Que ce soit l'électricité, que ce soit dans la plomberie, que ce soit ou autre chose, des fuites d'eau, ou aussi pour les communs et pour les environnements à l'extérieur. Le tout est de simplement utiliser le bon onglet et dire simplement, décrire un peu le problème qu'il y a. Et quand tout est terminé, on peut même prendre une photo et l'envoyer directement au service technique ou au service qui est spécifié. C'est pour un problème technique, madame ? Fini de devoir patienter au téléphone. La demande est tout de suite traitée. Un gain précieux de temps aussi pour les gestionnaires de ces logements. Au siège social, entre 50 et 100 appels par jour concernent l'état du solde des locataires. La difficulté que nous avons quand ce locataire le fait par téléphone, c'est qu'on n'est pas certain que ce soit le bon locataire. Donc on peut avoir l'incidence qu'une personne se fasse passer pour une autre et alors donner une information qui est tout à fait privée à quelqu'un qui est étranger à cette personne. Grâce à l'application Happinest, par le fait de s'identifier par ITSMI, donc il y a le numéro national qui est contrôlé, et donc un autre ne peut pas se faire passer pour le locataire pour avoir le compte. Logega s'est donné pour mission de convaincre au moins 40% des locataires à installer l'application Happinest et espère idéalement atteindre 70% d'entre eux pour que cet outil, encore en phase test, devienne un jour réalité dans toutes les sociétés immobilières de services publics de la région.